Il faut pas en profiter hein, pendant que je la filme là. Hein. Deux jumelles. Hein. Alors voilà comment on fait pour quitter le père Soulier. Ne vous dépêchez pas trop. Hein. Présentation de mode devant la patinoire de Villard-de-la. Dommage que j'ai pas pu me mettre plus près. Enfin, ça rapproche, heureusement. Vous n'avez pas fait de fil ? Comment ? Vous n'avez pas fait de fil pour aller plus loin ? C'est vrai, il n'y a que l'église qui est restée. Hein. Il y a beaucoup de villages hein, comme ça. Je vois dans l'Isère, enfin on est dans l'Isère, je veux dire, vers Saint-Michel aussi, au-dessus du Touvet, c'est pareil. Et aussi, ça... Ouais. Ah ouais. Oui, mais nous, on a découvert. Oui, là, ils en sont à la communion, il n'y en a pas pour longtemps maintenant. Mais qu'il n'y ait pas un journaliste qui est venu prendre des photos. L'année dernière, je crois qu'il... Ouais, vous en avez pris sur le chemin de croix, mais ici, non. Alors, comment c'est des disques. Quel disque? Alors. C'est ça, ouais, les Allemands qui ont détruit le village, il n'y a que l'église qui a résisté. Et c'est pour ça que depuis, les gens montent chaque année en pèlerinage. Oui, depuis 1945. C'est-à-dire que le chanoine Douillet. Oui. Le chanoine Douillet. Oui, Douillet. Le chanoine ancien curé de... commémorait tous ces résistants tombés dans les maquis. Oui. Aux alentours, a décidé de faire un chemin de croix. Chaque stèle comporte une liste de noms de résistants tombés ici pendant le maquis du Vercors. Mais rien que pour les gens du Vercors. Ah non. Mais hein. S'il aurait fallu mettre tous les noms des gens... Ils sont pas, pourquoi ? Je pense qu'il y a principalement les noms de résistants tombés ici aux alentours de Valchevrière, dans les combats à Valchevrière. Puis là-haut sur le... comment ça s'appelle ? Au Belvédère. À Brèche de Chaniment ? Non, ouais, en dessous. Reconstruire hein? Pas reconstruire, je pense faire ressortir un peu les ruines pour qu'on retrouve le village. Parce que le village est important, hein, il part sur la droite, là. Il y a beaucoup de maisons encore à droite. Là. Alors c'est tout... Mais tout est envahi par la végétation. Tout est envahi par la végétation, mais il y a le village dessous, bon, mais ça fait comme à Saint-Michel. Bon, qu'on aille voir un peu le curé s'il a terminé sa messe là-bas. Un chantier, tu vois, ils ont commencé, ils ont coupé les arbres. Voilà, ils ont nettoyé. Je pense qu'on pourra bientôt apercevoir le village depuis le belvédère de Valchevrière, là-haut, il y a la commune. C'est la commune de Villard-de-Lans, là. Voilà. Ce que nous avons chanté plusieurs fois touche nos oreilles, nous allons le chanter entièrement avec les couplets. Nous entendrons souffler sur nos lèvres. Voilà, ça se termine maintenant.
5 minutes, c'est fini. Alors là, les gens vont partir en procession jusqu'au terrain pour manger. C'est ça, hein. Quelquefois, on est resté là, mais là, c'est un peu juste hein, pour tout le monde qui y a. Donc là-bas, il y a un grand champ, donc on fout toutes les années. Et... Tous nos visages, nous te verrons, coule dans nos veines. Mais là, il, les cartons... Ils vont, voir un coup avant de partir. Hein. Ouais. C'est nouveau, ça. Mais... Hein? C'est pour ça que j'ai vu une dame avec un gros panier de bouteilles. Hein. Alors là, on est en train de préparer un petit bar. C'est l'apéritif. C'est l'apéritif. Oui, c'est le verre de l'amitié, ils appellent ça. Le verre d'amitié. Le verre d'amitié. C'est pas pareil, hein, l'apéritif, le verre d'amitié. Toi qui nous donnes part dans cette Eucharistie à la vie de ton fils. Nous t'en prions qu'il fasse nous donne d'entendre ses appels. Monsieur Aymar qui est au bar là-bas, qui va lequel servir celui qui bouge maintenant. Là. Qui est en face. Non, non, qui est parti là. C'est la raison qui supprime ça. Le pèlerinage ouais. Non. Non, non, c'est pas ça. Vous êtes obligé de vous arrêter en remontant. Et ensuite, le plus nombreux possible, nous nous retrouvons dans les grandes prairies pour. Entendez ce que vous avez dit. Nous, là, c'est enregistré. Et nous chanterons à la fin de cette messe, bien sûr. Nous là, il y a de là-bas ou... Oh là là, c'est vrai. Quand... Sont à venir. Mais j'ai filmé la... un mariage. Parlez maintenant. Ils ne parlent plus, ils parlent plus au bon fini, Dieu. C'est là, c'est hein. Non, là, c'est fini. Bah, ils vont parler aux bouteilles. Hein. Voilà, c'est ça. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du jus de fruits. Hein. C'est pas. C'est pas du Beaujolais. Il y a des pastilles. Oui, il y a des pastilles. Regardez les bouteilles. Regardez ça. Et les premiers. Regardez les premiers, c'est les hommes, hein. C'est pas les femmes, c'est les hommes. Hein. Regardez. On va vite le trouver, dis donc. Moi je crois qu'il y a des jus fruits. La télévision, M. Dazi, là, qui voudrait vous filmer, là. Ah, mais c'est pas l'écart Gouy, alors. C'est non, 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 quart du Vercors. C'est le père du jeune homme. Non, mais j'ai filmé l'écart. Tu vas parler fer 1 et fer 3, ça. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes. Ni en thème 2. Moi j'irai pas à Uriage à filmer. De toute façon, il faut de tout. Hein. Ah, mais venez me faire un film, je viens de faire une réalisation immobilière. Ah, oui, où ça? Les garages. À quel endroit? Et sans subvention comme Mermoz, je vous signale. À quel endroit? Chez moi. Vous n'avez pas assisté à la messe, hein? On était là, nous. Un verre à boire, voilà. Vous voyez? Là, voilà. Vous voyez? Vous ne me chantez pas de chansons, mais regardez. Voilà. La force de cette demoiselle là, qui coupe du bois, là. Au lieu d'aller à la messe encore, hein? Ah oui, on va. À la télé, oui. Oui, vous allez passer à la télévision. Il y a Félix, il a le temps. Même tout de suite, si vous voulez. Vous voulez pas me croire? Je vous passe tout de suite. Je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, un beau sourire dans les bois de... Comment là? Ça s'appelle ici, là? La Val-Chevrière, le village qui a été détruit pendant la guerre, là. Vous pouvez pas mettre un monsieur à côté d'elle, en rigolant. C'est pour moi le verre, c'est pas pour les dames, hein. J'ai signé un papier comme quoi je suis exonéré de la redevance. D'accord, voilà. Venez ici. Et voilà. J'ai un blanc. Allez. Ah bah oui, mais à côté de moi, ouais. Ah ouais. Oh. Voilà. Eh ben on va dire à monsieur le curé là, de venir aussi, hein. Bah oui, tant mieux. Voilà. Comme à la sortie de l'église. Voilà. Il y en a une que je suis après filmée, elle ne sait pas là. Hein. Si elle se voyait.
très fort, tu viens de voir tout. Ben ouais, c'est ça. D'y aller ? Il se rapprochait pour jouer au boule. Ah bon ? Et puis j'ai dit, ça va, on était avec des copains, et puis les nos deux femmes, mon rire, c'était bien. Hein. Alors c'est pour ça. Là. Bien, allez, au revoir. Ouais, c'est dame. Voilà ce qui reste du village. Il reste enseveli sous la terre. Est-ce qu'il était bon ? Très bon. Voilà. Merci. Et le four à pain. Et les ruines, bien sûr. Et les gens qui viennent rendre visite. Vous avez tout vu alors, vous. Eh ben.